Le CAC 40 termine en légère baisse ce mardi. Les investisseurs ne prennent pas trop de risques. Ils attendent la décision de la réserve fédérale américaine demain. Ils espèrent qu'elle va faire une pause dans la hausse des taux directeurs. Parmi les valeurs fers sur le CAC 40, aujourd'hui, on avait Saint-Gobain orienté à la baisse. Le groupe a finalisé l'acquisition de SIG Roof Space au Royaume-Uni. Une opération qui lui permet de renforcer sa présence dans le pays et d'accélérer son développement sur le marché de la préfabrication. Et puis, autre valeur phare, c'est Veolia Environnement, elle aussi orientée à la baisse. Le groupe renouvelle son contrat de collecte des déchets ménagers dans le 11e et le 19e arrondissement de Paris. Il s'agit d'un contrat de 3 ans d'un montant de 50 millions d'euros. À la Bourse de New York, on est mardi après-midi. C'était Marie-Jean Trigg pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à demain.